C'est tout ça, c'est important. Vous échangez avec le prophète et qu'est-ce que vous allez recevoir en retour. Tout ça, c'est important. Cette rencontre-là, il faut qu'on vous explique le prophétique, comment ça marche, pour ne pas que vous soyez, n'est-ce pas, en dépassage par rapport au système prophétique. Amen. Voilà, c'est important. Et c'est le ministère prophétique. Bon, il y a d'autres qui sont en train de poser la question, pourquoi le prophète en noir, il a l'habitude de porter rouge. Là, je reçois le message. Le noir, c'est symbole de force. C'est uniquement que ça. Vous voyez, c'est symbole de force, ça veut dire autorité. Le rouge, c'est symbole de vie. Bon, le noir, c'est symbole de force. Je suis là, vous savez que les juges, quand ils veulent juger les gens, ils sont en noir. Voilà, la toge noire, ça veut dire force, l'autorité. Voilà, donc je suis là, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, échanger avec vous et soumettre vos problèmes à Dieu. Pour dire, c'est une force de Dieu qui va écraser tous vos systèmes que vous avez en vous, toutes les semences démoniaques et sataniques. Amen. Voilà, donc vous êtes là, c'est un ministère prophétique, c'est-à-dire, c'est un don que Dieu a donné à celui qui est en face de vous, le prophète Crasso. En même temps que c'est un don, mais c'est un ministère. Un ministère avec un service. Amen. J'ai porté ma casquette de maraîcher, je n'ai pas les embryons. On a mis brigade anti-sorcière. On a cette année notre tenue. Ouais, brigade anti-sorcière. Le maréchal. On allait inaugurer la tenue à Bois-Feu. On les a bien matés pour les retourner. Merci, papa. On les a matés là-bas pour les retourner. Voilà, donc maintenant on a les tenues. Hein. Il y a d'autres qui il y a sorcier, mais il y a sa brigade encore. Dormez, il ne faut pas y avoir de brigade de sorciers. C'est la même chose qu'ils font. C'est des mangeurs d'âmes. Ils sont des délinquants. Ils font la délinquance et c'est des criminels. Mais c'est vrai que c'est spirituel, mais nous déclarons au fort, c'est-à-dire à visage découvert, que nous sommes là pour les combattre. Nous ne cajolons pas la sorcellerie. Voilà, donc brigade là, sorcier a sa brigade. On vous annonce officiellement que nous combattons les œuvres, la sorcellerie, parce que c'est le mal cruel de l'Afrique, que vous voulez ou pas. Je disais tout à l'heure dans mes échanges avec vous, comment un mot qui existe dans toutes les langues. Toutes les langues, et c'est la même définition. C'est la même définition. Embêter, c'est bougnon. C'est-à-dire celui qui a un mauvais sort, qui est mauvais. En djoula, c'est la même chose. En baoulé, c'est la même chose. Et partout, dans toutes les langues, même en chinois, dans toutes les langues, c'est la même chose et c'est la même définition. Bon, quelque chose qui n'existe pas ne peut pas avoir des noms dans toutes les langues de la planète Terre. Or, quelque chose qui n'existe pas n'a pas de nom. Or, si c'est un nom, que ça existe, comment fonctionne la sorcellerie? Point d'interrogation. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi les gens n'en parlent pas? Or, plus on n'en parle pas, c'est dangereux, eux gagnent du terrain. Et leur stratégie, il ne faut pas qu'on en parle. Bon, les Occidentaux et nous, le débat est clos. Ils ne peuvent pas venir discuter pour des sorcelleries à nous. Parce que les premiers à combattre la sorcellerie furent les Blancs. Parce qu'on va leur amener leur histoire. Qu'ils ont fait la pratique de la chasse aux sorciers. Si vous ne croyez pas à ça, pourquoi vous allez tuer les sorciers? Et pendant 3 siècles, si vous ne croyez pas que la sorcellerie existe, ben c'est ce que vous voulez faire entendre aux gens, que ça n'existe pas, que les Africains sont superstitieux. Oui, ils croient que le diable est partout. Bon. La chasse aux sorciers que vous avez menée pendant 3 siècles, ce n'est pas 2 jours, ni 3 jours. Pendant 3 siècles, du 15e, 16e, 17e siècle, pendant 3 siècles, vous avez tué les sorciers. Les faisaient des procès avec des baxonnements hein, et baxonner les sorciers. Quand tu ne veux pas parler, de toute façon, les vieilles nous fatiguent ici. Là. Non, si c'est eux, il y a longtemps, ils ont géré le dossier. Hein. Vite, vite. Ils mettent du feu chaud au feu, ils mettent dans ton œil, crève ton œil. Oui, parce que tu as déjà reconnu que tu es sorcier. Ça, c'est suffisant pour eux. De t'arracher des abeilles. Mais ici, nous sommes beaucoup civilisés, non seulement ça, mais nous, non seulement ça, parce que nous respectons l'être humain. Pourquoi? Parce que nous, la sorcellerie est une maladie. Dans le sens où on te donne la sorcellerie. Voilà, c'est une maladie. Tu ne vas pas acheter ça à Sokosé ni à qui cache dans une pharmacie. Ou à l'heure du goût acheter une sorcellerie. On te donne la sorcellerie. Et quand on te donne la sorcellerie, tu rentres dans un système. Tu es égaté. Voilà, donc on peut te délivrer, parce que Dieu est souverain. Il y a des gens qui disent, les sorciers ne peuvent pas être délivrés. Celui qui dit ça, il n'a jamais connu Dieu. Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu dans sa manifestation. Si un pasteur vous dit ça, sortir de son église, ça veut dire que vous dites que Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas délivrer Satan. Il ne peut pas délivrer les agents de Satan. Ce n'est pas possible. Parce qu'on appelle ça la possession démoniaque. Or, Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Les gens ont démons en eux, il faut les chasser. Voilà, pour qu'ils soient lucides. Il faut que les démons, les esprits qui les animent là,
qu'il soit débarrassé avec de ce démon-là. Parce que quand on vient dans le Seigneur, nous-mêmes là, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas été possédé. Eux, ils sont sortis, mais tu cherches femme déjà, tu es possédé. Tu es possédé. Comment toi, toutes les femmes sont mariées, c'est pour les femmes, pour les gens là, tu cherches. Tu es un sorcier. Mais déguisé. Amen. Voilà, parce qu'il y a toutes les femmes sur la planète Terre, c'est femmes des gens. Il y a des gens, mais c'est quand ils voient les femmes enceintes qu'ils veulent. Et vous n'avez pas vu ça? C'est des grands possédés. Donc la possession, c'est quoi? C'est-à-dire tu reçois un esprit en toi qui contrôle ta volonté, à point que tu n'as pas de volonté. L'apôtre Paul dit dans Romains, le bien que je sais, je ne peux pas le faire. Le mal que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Qui me délivrera donc? Quand on est possédé, naturellement, on fait des vilaines choses. On fait des vilaines choses, on attaque les gens, on fait des vilaines choses. Et quand quelqu'un est possédé, ça se sent dans son comportement de chaque jour. Il fait les mauvaises choses et ça étonne les gens. De comprendre que pourquoi cette personne peut réagir de la personne. Si ta femme commence à être possédée, vous allez voir, tu vas la voir en train de t'énerver contre toi. C'est ce qu'on appelle un démon guerrier. Elle est toujours énervée. Tu parles, elle est énervée. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. Parce que souvent, on hérite les esprits de nos parents. Les esprits familiaux. Oui, parce que par moment, dans des familles, dans des villages, il y a des peuples qui sont destinés à la guerre. Eux, c'est des peuples guerriers. On dit, ah, ce sont ceux-là qui ont fait la guerre. Or, dans des familles aussi, dans les villages, on dit, il y a telle famille, ils sont esclaves. Donc, c'est cet esprit-là qui vous accompagne. Quand vous êtes esclave dans un village, c'est vrai que tu peux, mais tu es toujours dernier. C'est toujours toi qu'on ne considère pas comme mal. C'est pour ça que vous devez connaître votre histoire. Amen. Vous devez connaître votre histoire. À partir de votre histoire, vous pouvez être délivré de tous ces liens qui vous poursuivent et qui vous dérangent. Amen. Il manque d'allumer les clés. Amen. Donc il faut que j'explique un peu certaines choses. Donc c'est un peu ça. On peut être possédé. Et quand on est possédé, il y a beaucoup de choses. Amen. Tu peux avoir une rencontre. Et cette rencontre-là, puisqu'elle est un démon, donc l'esprit t'influence. L'esprit t'influence. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, voilà. Donc, si tu ne pries pas, l'esprit, quand cette personne-là t'influence. Donc, imaginez-vous. Vous voyez quelqu'un qui dit bonsoir un soir. Surtout à nos mamans, les filles. Bonsoir. Et vous partez coucher à lui. Vous ne savez pas qui il est. Peut-être qu'il mange avec Satan, vous ne savez pas. Peut-être que c'est son petit frère ou son grand frère qui est Satan. Vous ne savez même pas. Il vous a présenté un billet violet. Notre billet, là, c'est violet. Hein. C'est pas vert. Là-bas, là, c'est vert. Pour nous, là, c'est violet. Les violets, là, c'est 10 000. D'ailleurs, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Quand tu leur montres 10 000 francs, c'est fini. Chantoula, nous, comment, Banazaré, tu parles plus. La personne te suit. Mais tu sais ce qu'elle va prendre en toi. Amen. Donc, ce qui fait qu'il faut être prudent. Jésus même nous conseille la prudence. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, il est toujours prudent. Parce qu'on ne sait jamais. Si 10 enfants, si 10 personnes, vous allez voir, vous allez trouver 7 enfants de Satan, 3 enfants de Dieu. Et ça, c'est prouvé. Parce que le diable est le prince de ce monde. Regardez le raisonnement des gens. Comment les gens se comportent chaque jour. Vous allez trouver qu'il y a plus d'enfants de Satan qu'enfants de Dieu. Amen. C'est pour ça que le mal continue de se pratiquer partout. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Tu as un collègue. Qu'est-ce qu'il pense de toi? C'est pour ça que si tu ne deviens pas chrétien et que tu ne confies pas ta destinée à Dieu, il sera difficile de t'en sortir. Il sera difficile. Les gens, ils veulent vivre une vie sans Dieu. Et c'est difficile. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Toi, tu veux vivre une vie sans Dieu. Tu veux quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu veux? Mais ça serait la malédiction. Les sorciers vont te maltraiter. Amen. Voilà, donc vous êtes dans un ministère prophétique, et ici, la spécialité de ce ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Vous allez voir dans une clinique tout de suite, vous êtes malade, vous allez voir un médecin généraliste, il va vous dire, allez voir le spécialiste des poumons. Parce que le problème que vous avez aujourd'hui là, c'est un problème des poumons. Moi je suis docteur, je suis un médecin, mais ce n'est pas ma spécialité. Vous comprenez? Donc chaque homme de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Vous comprenez? Dieu est un Dieu d'ordre. Chacun a sa spécialité. Voilà. Amen. Chacun a sa spécialité. Nous on ne vit que dans ça, on se réveille dans ça. C'est notre spécialité, c'est pour ça que haut et fort, on dit brigade anti-sorcier. Au départ, quand on mettait ça, les gens prenaient ça pour moquer. On dit non, vous moquez, mais c'est sérieux. C'est tellement sérieux parce qu'on s'est dit aujourd'hui, si la sorcellerie s'arrête, si on met frein à la sorcellerie, nous allons tous prospérer. Nous allons tous prospérer parce qu'on a compris le mécanisme de la sorcellerie.
L'esprit, la sorcellerie, là, vous voyez, quand quelqu'un a la sorcellerie, il ne meurt pas, ça. Quand il meurt, c'est un esprit, l'esprit ne meurt pas. L'esprit va s'incarner en une personne et puis continue l'œuvre. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une famille où il n'y a pas sorcier. Or, être sorcier, ça veut dire détruire d'abord sa famille. Ça, la première action, c'est de d'abord nuire à ta famille. D'abord, tu commences cette action d'abord. Maintenant, après, tu montes un grade. Quand tu commences à être en deuxième position, parce que le premier système, qu'on dit une initiation à la sorcellerie, c'est que tu dois tuer une personne par mois. Parce que c'est une tontine humaine. Tu dors, je ne peux pas manger pour les gens seulement. Ils sont courts à la chair. Mais on ne dit pas chair, on dit âme, vous voyez. Parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'âme. Les scientifiques le savent. Donc quand ils discutent avec vous, il faut dire aux scientifiques. Vous croyez qu'il est âme, il dira oui. S'il dit non, c'est que c'est pas un scientifique. C'est tandis que nous ont révélé que le corps de l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Okay. Demandez aux scientifiques où se trouve l'âme. Hein? Demandez-lui. Il ne va pas bien te répondre. Donc, il y a des choses sur lesquelles l'humanité et les hommes ne peuvent pas expliquer. Parce que Dieu, pour un moment, empêche d'autres de connaître certaines choses. C'est clair. Mais ils savent que l'âme existe. Mais l'âme se trouve. Or, c'est cette partie-là que les sorciers maltraitent. Parce que l'esprit n'est pas touché par un sorcier. Non, l'esprit appartient à Dieu, il ne meurt pas. C'est ce que quand on dit à quelqu'un, tu vas mourir, la peur. Tout compte fait, net veut dire mourir. N'est-ce pas? On a peur. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit éternel. Quand tu meurs, Jésus dit, je remets mon esprit. Bon, dans la tradition française, on dit, ce n'est pas âme, il dit, je remets mon esprit. Parce que l'âme se trouve dans le sang. L'animal a une âme et puis un corps. Il n'a pas un esprit. C'est pas... Voilà, il n'a pas un esprit. Donc, il ne peut pas raisonner comme. Donc, malheureusement, vous qui mettez les animaux avant nous, les hommes, là, pardonnez. Nous ne sommes pas la même chose. Amen. En Europe, nous les hommes là, on nous met à dernière position. Quand le chat n'a arbre, vous lui demandez pardon. Mais on faut descendre, pardon. Puis c'est les pompiers qui vont descendre le chat. Oh. Vous venez ici. Mien. C'est Lance-Pierre. On va t'accueillir, ça, tu vas comprendre. Vous te mettez les mains dans le sauce, on appelle ça Grégoire. Que Dieu nous. J'étais assis dans une ville italienne et la fille de la femme de mes fils, elle a deux caniches. Petit. Elle fait marcher 300 euros. Pour les nourrir. Chien. Je dis, mais pourquoi? Elle dit non. Je dis, mais elle sait que ça là, on mange ça en Afrique. Elle veut vomir. Non. Je lui ai dit, c'est parce que vous êtes riche. Chez nous, on a faim. On ne peut pas prendre. Si Milou a mangé, c'est que c'est les os. Les os, là, ils viennent chasser. Et puis quand ils ont le chasse d'abord, vous voyez si les. Parce que nous, là, j'aurais dit, nous, les Africains, là, on mange les os. Donc, s'il vous plaît, si vous nous invitez dans un restaurant, vous serez choqués. On est né dedans. Un Africain, tant qu'il n'a pas croqué les os, il n'a pas mangé le poulet. Parce que les os font partie du poulet. Donc quand il lui disait, il dit, mais toi tu es né, tu as location, tu es bébé, on te paye, tu as chocolat, tu veux, on te donne un chocolat. Nous, pour manger banane braisée le matin. Les matins, on va du village. Le papa met un problème avec manger couché. Donc lui-même, il mange d'abord. Que Dieu nous aide, hein. Le papa sort, il mange couché. La femme, il regarde, il sait qu'il regarde dans les assiettes. Papa, il a mangé, il est passé là. Le vieux peut passer là. Donc c'est banane braisée et le rouge. On lui va à l'école. On lui frappe. Ben c'est un vrai petit bagage. Bon, un enfant qui va à banane braisée et le rouge à l'école, il va avoir quoi dans la tête? C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'orphelinat. Voici la vraie raison qui nous a poussé aujourd'hui à faire l'orphelinat. J'ai été orphelin. J'ai une expérience que je vais partager aux enfants pour dire qu'on est orphelin, ce n'est pas une fin en soi. On peut être orphelin puis réussi dans la vie. C'est pour ça qu'on investit dans l'orphelinat. C'est des millions. Comme je disais hier, avant-hier, on a dépensé plus de 1 800 000 francs. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens pour dire donnez-moi l'argent, il y a construit l'orphelinat. Non, l'argent, je ne m'en dis pas. L'orphelinat appartient à Dieu. Celui qui se sent dedans. Il y a une femme qui m'a appelé matin sur Skype. Elle le prophète, excuse-moi, vraiment, je t'emmerde parce que j'ai envie de faire un don à l'orphelinat. Je dis gloire à Dieu.
Mais que ce n'est pas beaucoup. Je dis que je te demande, même si c'est simple, en gloire à Dieu. Mais je ne suis pas là pour demander de l'argent pour l'orphelinat. Non. Nous, on a fini d'abord l'orphelinat, il fallait déclarer ça devant l'État. Ne sois pas les gens pour dire, ah, une fondation, on a fait appel à la fondation, on a en train de construire. Non. C'est moi qui ai reçu la vision. Le plus grand donateur, c'est Dieu. Bien sûr qu'il touche les gens. Le plus grand donateur, c'est Dieu. Donc, nous, là. Il y a un gars, il y a une personne qui disait, parmi mon personnel, les enfants qu'on a pris là, quand on les regardait, ils mangeaient. Est-ce qu'ils ne vont pas nous finir le sac de riz? En vérité, les enfants là, c'est des grands mangeurs. Ils peuvent finir le sac de riz. Une semaine, c'est ça. D'ailleurs, ça, il faut 4 sacs de riz par mois. J'ai dit, mais celui qui nourrit les oiseaux, là, c'est celui que nous adorons. Amen. Tant qu'il fait nourrir oiseaux, tant qu'il fait nourrir oiseaux, tant qu'il ne fait pas nuit, il mange toujours. Mais lui, il les nourrit, il les rassasie. Et puis la personne dit, ah, c'est vrai. Il dit, non, rentrons dans la spiritualité. Ce qui fait vivre un juste, c'est sa foi. Ce n'est pas ses moyens. On dit, et le juste vivra par la foi. C'est la foi qui fait vivre le juste. Si Dieu te donne une vision, engage-toi bêtement dedans. Comment l'orphelinat est arrivé jusqu'à ce stade-là? C'est pas la foi. Comment j'ai pu acheter le congélateur? Je suis allé vider mon compte. Ben, c'est l'argent là, c'est Dieu qui donne ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous aide. Aidons les enfants à grandir. Donc en un mot, aidons les enfants à grandir. Je reviens encore là-dessus pour dire, vous êtes un centre de prière. Ici, c'est un ministère prophétique. Un prophète, non seulement ça, c'est un voyant, mais en même temps, c'est un apporteur de solutions. Le prophète ne fera pas comme tu veux. Amen. Il ne fera pas comme tu veux. Et la spécialité de ce ministère, c'est la destruction des œufs de la sorcellerie. J'explique. Quand Dieu appelle quelqu'un, amen, il oriente par rapport à son ministère. Depuis que je suis ici, on dit, ah, mais pourquoi le prophète n'est pas à Abidjan et tu es à Divo? Je dis, mais moi, mon employeur m'a affecté à Divo. Il y a des gens, on affecte à Abidjan. Moi, on m'a affecté à Abidjan, on m'a affecté à Divo. Je ne me plains pas. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne l'endroit où tu dois exercer. Il te dit, exerce là. Si tu penses que c'est à Abidjan, il y a des gens. La plupart des gens viennent à Abidjan. Mais ça ne m'a jamais séduit. On m'a donné des terrains à Abidjan. On m'a donné des lots à Abidjan. Ça ne m'a jamais séduit. Tout récemment, on m'a donné un terrain. On dit non, tiens. Mais moi, construire à Abidjan, ce n'est pas dans ma vision. Moi et Dieu, on a déjà discuté beaucoup de choses. Je suis là à mon lieu et je prospère. C'est ici que j'ai quitté, j'ai fait le tour du monde. Voilà. Donc, quand Dieu t'appelle, il te donne une vision. C'est par rapport à la vision. La parole que Dieu nous a donnée, c'est pour ça que nous sommes à Divo et nous exerçons le ministère. Et la zone de Divo, c'était une zone de Dida, une zone très minée par la sorcellerie. Depuis que nous sommes là, nous avons maté cette rébellion. Ils vont toujours envoyer des gens, on les mate ici. Ils reviennent encore, on les mate. La Bible n'a pas dit de jouer le diable, il marchait sur eux. Luc 10, verset 19. Vous jouez les sorciers. Moi, après les sorciers, je ne joue pas avec ça. Tu es sorcier, tu es en face de moi, je te fais sortir ça cru. Cru sans problème. Je m'en fous de comment ta famille va traiter, prendre ça. Je m'en fous. Comment tu vas prendre, les gens vont traiter ça. Tu es sorcier, point barre. Tu es chien, on t'appelle chien. On ne doit jamais t'appeler autre chose que chien. Donc la sorcellerie, c'est le mal. Donc ici, nous combattons les œuvres de la sorcellerie. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à délivrer les sorciers. Nous sommes à plus de 8000 sorciers déjà. Plus de 8000 sorciers, il y a délivré. Nous avons délivré les sorciers. Il y a des sorciers qui sont devenus aujourd'hui pasteurs, qui sont dans leur ministère. Uniquement que moi, pas l'Assemblée. C'est que ça. Je suis là à Divo parce que Dieu veut que je sois à Divo pour exercer le ministère. Amen. Voilà, pour exercer le ministère. Et nous sommes là pour ça. Tous les samedis maintenant, comme aujourd'hui, nous avons des rencontres. Tous les samedis, mise à place à 10h, à 11h, nous commençons un entretien. La traiteur consiste à quoi? Vous venez, on appelle des centres d'écoute. Vous savez ce que vous avez déplacé ici. Ça, c'est déjà la première des choses. Vous devez savoir qu'est-ce que vous en avez peut-être d'Abidjan, en France, tant pour vous envoyer ici. Amen. Ok. Donc, vous parlez au prophète. Voilà. C'est ce qu'on appelle centre d'écoute. Écoute. Maintenant, il y a un retour que le prophète fait selon Dieu pour vous parler, vous orienter. Voilà, donc c'est peut-être pour vous dire que quand vous êtes ici, vous êtes fatigué, donc vous avez besoin d'aide. Et qu'on a besoin d'aide, on se tait et qu'on cherche à avoir l'aide. Amen. Bon. C'est le prophète maintenant, quand vous parlez avec lui, celui qui doit faire maintenant une orientation. Celui qui doit dire, voici. Amen.
Maintenant, il ne fera pas comme toi tu veux. Justement. Et c'est ça souvent que ça fatigue les gens. Les gens aimeraient qu'on fasse comme ils ont vu la dernière fois, comme ça, ou non. Amen. Or, souvent, ça vous fatigue. Mais non, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Avant chaque rencontre, nous préparons la rencontre en prière. Nous les préparons en prière pour que Dieu agisse. Le prophète, il suffit seulement de te dire, voici ce que tu dois faire. Tu fais, le Seigneur se glorifie. Voilà, le Seigneur se glorifie. J'avais reçu, ça va être maintenant, je crois, trois ans de cela. Il y a un monsieur qui avait des qui souffrait, qui était en Norvège. Il a commencé le travail, et puis à un moment donné, les difficultés ont commencé, et dans l'entreprise, il avait beaucoup d'Africains, tout ça. Lui, quand ils l'ont pris, parce qu'ils ont enlevé quelqu'un, et puis ils l'ont pris, il a eu des difficultés. Bon, il a demandé au prophète, m'a demandé qu'est-ce que, comment on fait pour pouvoir l'aider. C'est quelqu'un qui est vraiment assis financièrement. J'aurais dit, Dieu me dit, il faut que je vienne. Il a dit, mais pourquoi? Ouais, il me pose maintenant la question. Pourquoi il doit venir, mais il veut que moi je l'aide au téléphone. Il dit, non. Ça, c'est ce que toi tu veux. L'orientation de Dieu aurait voulu que je vienne parce que déjà là où tu es dans ton entreprise, là, il y a telle chose. Jusqu'à dans ta maison, il y a telle chose. Donc, ça nécessite que je me déplace. Vous voyez, souvent, ça vous dépasse. Mais moi, je m'en fous de comment vous réfléchissez. Il y a des pasteurs, et chacun a son don. Il y a quelque chose qui a été fait. Ça nécessite. Il dit, mais Dieu peut faire. Il dit, mais Dieu pourrait faire. Pourquoi tu m'appeler? Dieu peut faire là. Pourquoi tu m'appeler? Tu pourrais discuter directement avec Dieu. Dieu peut faire. Toi, tu m'appelles. Et il s'est excusé. Il dit, mais non. Dieu te donne une inspiration de Dieu. Dieu les peut faire. Non, nous, on dort avec lui. Excusez-moi, c'est pas mal parlé. Je dors avec lui, il me parle. Je suis prophète, j'ai bouche, œil, les yeux de Dieu. Dieu me dit quelque chose. Et toi, Dieu me contrarie. Bon, il dit, va réfléchir. Il dit, non, c'est pas affaire d'argent là qui est un problème. Il dit, mais donc où est le problème? Si c'est pas affaire d'argent. Moi, je lui dis, c'est pas aussi un problème de visa qui est un problème chez moi. Je lui ai aussi fait un retour. Non, il n'y a pas un problème de visa. Je reçois la lettre, je suis à l'ambassade, j'ai mon visa, je suis parti. Tranquille. Mon passeport, il y a trop de visas de Dieu. C'est consacré. Donc, toi, quand consul, tu vois ça, tu sais que lui, il est un serviteur de Dieu. Il ne va pas fuir pour rester là-bas. Il a un visa. Parce qu'il y a les passeports, quand tu vois, tu dis, lui, il va fuir. Alors, pour moi, ce n'est pas pour fuir. Il va aller faire l'œuvre de Dieu. Et les gens, tu les as jetés en France. Il faut aller évangéliser. Ils vont disparaître. Hein? Donc, on discute, il va me rappeler. Il me dit, non. Il voit que, bon, c'est un peu difficile. Il va me faire venir, il aimerait qu'il prie pour moi, je prie pour lui. Il dit, attends, tu penses que c'est ce qui est difficile pour moi? Dieu me donne une orientation. Il dit, ok, qu'il va voir sa soeur, elle va faire les démarches. Ok. Et puis maintenant, sa soeur m'appelle, elle dit, ah, mon frère là, vraiment, je ne sais pas comment il comprend la chose, mais il trouve ça un peu bizarre que c'est rien, pourquoi je ne prie pas là, c'est la prière. Oh, ce n'est pas une prière, c'est une question de te délivrer. C'est ça le problème des gens. Et tout ça comme une prière. Non, c'est un ministère de délivrance. Tu es en prison. Non, on va te faire sortir de la prison. C'est la manière de te faire sortir. Si on a eu cette inspiration, on attaque le dossier. Bon, elle a joué le dossier. Mais le monsieur est mort. Oui. Il est mort au service. Il allait là-bas, il se crouler. Bourou les paralysés. Dans le lit d'hôpital. Il demande que le prophète prie pour lui. Il dit, je ne prie pas pour toi. Il est mort. Il ne faut pas me mélanger avec Dieu. Il demande, il dit à sa soeur, si je savais. Si je savais. Ok. C'est tard. Amen. Un cercueil, ça coûte combien? Transfert de corps. Ils ont transféré son corps à Sakassou. Transfert de corps pour envoyer tout ça là. C'est plus de 4 millions. Finira et tout ça. C'est un benguisso. Ils vont payer tuer 5 bœufs, transfert de corps, tout ça, c'est 5 millions. Petit billet d'avion, tu allais payer, le prophète allait te délivrer pour revenir chez lui. Et j'étais obligé de le faire ça. Chacun a son domaine. Donc, chacun sait, Dieu sait. Écoutez, donc je vais vous parler, Samuel, 2 rois, 5. Nous allons comprendre si quelque chose, entendre si quelque chose, pour que ça soit un peu rapide. Hein, pour que ça soit un peu rapide, la rencontre qu'on aura avec vous. Tout à l'heure, pour que ça soit un peu rapide. Nous, on va à l'essentiel. Quand vous allez nous rencontrer, nous allons à l'essentiel. Amen. Okay.
selon l'orientation du Saint-Esprit. Amen. Quand j'ai compté l'histoire du monsieur qui était en Norvège, tout ça, je l'ai orienté. Il a voulu faire comme il voulait et ça n'a pas marché. Ok. Donc tout à l'heure, on aura l'occasion de vous recevoir, vous parler. Ce que je dis là, c'est une orientation de Dieu. Quand il dit fais ça, faites ça. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons prendre un seul verset, une parole de Dieu, puis on va commencer à faire la réception. Parce que par moment, il faut enseigner les gens. Parce que la plupart des gens, souvent, qui viennent, ne connaissent même pas Dieu. Les sorciers, les poussiers, prophètes, viennent prier pour moi. Bon, après la délivrance, est-ce que tu as marché à Dieu? Donc, il faut qu'on t'enseigne tout ça d'abord. Parce que ici, ce n'est pas du maraboutage, c'est du christianisme. Voilà. Parce que après la délivrance, il y a une continuité. C'est une vie, ce n'est pas une religion du christianisme. C'est la vie. Voilà. Nous, ça ne nous empêche pas de prier pour les musulmans. J'en priais plus pour les musulmans. Même les imams, je les aidais. Vas-y, sorcier, c'est toi là. Tu vas chercher la roue du prophète Grasso. C'est ma spécialité. Amen. Donc 1 Samuel, 1 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Nous allons prendre le passage et puis après. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. Il dit, lève-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine. Et tu seras pur. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Très bien. Toi, tu dis, va laver. Tu dis, il est fâché. Irrité, ça dit, il est fâché. Et il s'en alla. Il s'en alla. En disant. Voici, je me disais. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Voici une histoire qui s'est passée pendant que le prophète Élisée était prophète d'Israël. Un monsieur de nom de Naaman, qui était le chef d'état-major de l'armée en cette époque de la Syrie, tombe malade, frappé par une maladie qu'on appelle la lèpre. En cas d'une guérison, il va se rendre en Israël. Ils vont le conduire chez Élisée. Et dès qu'il est arrivé chez Élisée, Élisée va envoyer l'élève prophète, ce qu'on appelle Géasi, vers lui pour lui dire ton problème de guérison, tu es malade, pour que tu sois délivré, il faut que tu plonges 7 fois dans le Jourdain. Or, lui, il avait quelque chose dans la tête, il faut que le prophète le rencontre, que le prophète le pose la main. Et quand le prophète a dit ça, il s'est énervé. Parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait que l'imposition de main des prophètes. Le prophète a donné son message, point barre. Or, quand le prophète donne un message, il faut l'exécuter, ce qu'on appelle action prophétique. Donc, le prophète, il ne sait même pas que c'est toi qui es malade. C'est toi qui as le problème. Bon, il dit non, je pensais qu'il allait venir m'imposer les mains. Mais ce n'est pas partout on impose les mains. Ce n'est pas partout les mêmes actions agissent. Jésus dit telle sorte de démons, telle sorte. Quand la Bible dit telle sorte, ça veut dire les démons ne se chassent pas de la même manière. Les disciples avaient habité une manière, au nom de Jésus, sort. Mais ils rencontrent un esprit. Et cet esprit les résiste. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Donc ils étaient vraiment effrayés, abattus. Ils sont allés demander, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon lunatique? Jésus dit non. Telle sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc Jésus n'a pas montré qu'en réalité, les démons ne se sortent pas de la même manière. Amen. J'ai toujours dit, un démon africain et puis un démon blanc ne se sort pas de la même manière. Vous allez me dire non, mais c'est comme ça. Nous, un Africain, quand il naît, on le purige. Excusez-moi. On le purige d'abord. C'est pas ça? Quelqu'un qui a été purigé, quelqu'un n'a pas été purigé, ils n'ont pas les mêmes démons. C'est la vérité. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas purigé, ils vont prendre médicaments, ils ne vont jamais guérir. Il faut purger un blanc, tu vas le tuer, tu vas rougir. Piment qui est dedans. Le blanc devient rouge. On est tomate. Amen. Donc, en fonction des milieux de tradition, il y a des esprits. Donc ça ne se sache pas de la même manière. Toi, tu as vécu dans une famille. Il y a les esprits de la famille. Donc vous n'avez pas les mêmes esprits. Et quand on vient voir le prophète, l'orientation, le prophète est venu dire, il a dit à Naaman,
C'est pas comment tu as eu la maladie là qui est important. C'est pas comment les gens qui t'en veulent qui est important. C'est pas la peine de dire, c'est pas comment tu vas être guéri, c'est ça qui est plus important. Va et plonge dans le Jourdain. Il dit, il veut pas. Il faut que le prophète lui explique des choses. Il allait. Le prophète il a donné la parole. Et bêtement, il ne voulait pas écouter. Et quand moi, il a écouté, il a plongé dans le Jourdain, il a été purifié de sa lèpre. Le prophète donne une parole. Donc quand tu respectes la parole, tu es délivré. Amen. Si le prophète te dit non, ton problème, il faut que je vienne chez toi à la maison prier. C'est ça la solution. La dernière fois, je suis allé, je crois, ça fait trois jours de cela. Je suis allé chez un monsieur qui est venu ici. Je suis allé, il dit, il y a quelque chose, je vais attraper chez toi. Je suis allé, il a touché tout le monde, sa semence est tombée. Il m'a regardé, bon, il faut regarder, toi, mais puis juge. On a attrapé sorcier. Cette année, il fait ça maintenant. Hein. Quand je vois que je dois arriver chez toi, j'arrive chez toi. Voilà, parce que nous, notre ministère, on va à l'essentiel, qui est l'action prophétique. Amen. Donc, quand le prophète dit il a fait une action, il faut croire à cette action. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Nous allons tout à l'heure vous recevoir. Que la grâce de Dieu étende sa main sur vous et que sa puissante main vous délivre. Amen. C'est pourquoi vous êtes déplacés. Que le Seigneur donne une solution à tous ces problèmes. Amen. Que le Seigneur agisse puissamment. Et quand vous entrez dans le bureau, ce n'est pas parce que Jésus est dans le bureau. Non, il est partout. Donc soyez bref, précis, concis. Amen. Parce qu'on a beaucoup de gens ici. Amen. Précis, concis. Il y a des gens, il faut forcément qu'ils rentrent dans le bureau. Comme si j'avais caché le petit Jésus dans mon bureau. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez fortifiés. Nous allons prier et mettez la main sur le cœur. Nous allons dire au Seigneur d'agir pleinement afin que ce pourquoi vous êtes là, que Dieu l'esprit à son serviteur et qu'il vous aide véritablement. Seigneur, merci, nous voulons te prier d'agir pleinement